En direct de la Bodega et Cercle Taurin et Pablo Romero, nous avons rencontré Damien Alary, le président du Conseil Général, qui a habilement répondu à nos questions sur la feria. Alors, politique ou préparation des élections, vous avez le choix, en tout cas ici, au cœur de la fête, de gauche ou de droite, seul compte le trophée des toreros. Damien Alary, bonjour. Bonsoir peut-être, parce que au cœur de la feria, on a aussi des petits problèmes d'horaire. Première question qui me vient, est-ce que c'est un bon moyen de préparer les élections européennes qui vont arriver le 7 juin, la feria de Nîmes? Bah, c'est un des moyens, mais on prépare celle-là aussi, mais j'y prépare les autres. Il y aura des régionales, il y aura des municipales, et je crois qu'on ne peut pas être absent de cette belle fête, qui est une merveilleuse, qui réunit des milliers de gens de partout, et y compris des Nîmois, Nîmoises. Et moi, je suis fier d'être là ce soir, dans cette bodega, avec mes amis. Je salue tout le monde, à droite comme à gauche. Je ne sais pas si je prépare l'avenir, on pourrait le dire comme ça, peut-être. Alors, pour les Européennes, en effet, c'est un moyen d'abord de se faire voir. J'accompagne un candidat de la liste Kader Arif, qui est avec moi, Éric Andrieux, ce soir. Et puis, j'ai salué le maire de Nîmes à la corrida, j'ai assisté après-midi. Mais il m'a dit, alors, si j'ai vu que tu allais peut-être dans quelques... Ben, j'ai dit, c'est une ville de droite, j'aimerais la mettre à gauche. Et ça fait partie, là. Il ne faut pas négliger ces fêtes-là. Ce sont des fêtes populaires et ce sont des fêtes importantes où les gens s'amusent dans une bonne ambiance. Je veux dire, il y a peu de villes dans cette région-là, de la chance d'avoir à la fois la tauromachie que je soutiens parfaitement, l'onde de choc par des arènes avec les taureaux, et préparer... Je ne pense pas qu'aux élections, ce soir je pense aussi à m'amuser. Mais vous avez raison de me poser cette question. Préparer les élections, ça fait partie aussi de cette fête. Et c'est pour ça que je suis là. Est-ce qu'on va voir des personnalités du bureau politique socialiste qui vont venir voir des corridas peut-être avec vous dans les arènes? Ben écoutez, j'avais proposé à Mme Aubry, mais les choses étant ce qu'elles sont, avec des meetings politiques à une semaine, je ne sais pas si elle pourra venir, peut-être dimanche, mais j'en sais rien. Mais il y aura certainement d'autres personnalités. J'étais tout à l'heure avec le président du Conseil Général de la Charente, qui est socialiste et qui était avec moi aux Costières. Donc oui, on reçoit des gens, députés, socialistes, des présidents de conseils généraux. J'aurai mon ami Valigny, président du Conseil Général de l'Isère, qui va arriver bientôt, qui est quand même à la commission des lois à l'Assemblée. Non, cette fête a le mérite de rassembler plein de gens. Et moi, ça me fait plaisir. Qu'ils soient à gauche ou à droite, après, quand on va remonter... Sur les planches, on reprend chacun nos étiquettes et on défendra chacun nos idées. Mais dans une fête comme ça, je crois qu'il faut avoir à la fois la sérénité, l'envie de faire la fête et surtout de respecter les autres. Ben, je vous remercie, ça sera un mot pour lancer la feria peut-être. Hein. Merci à vous.